وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تغادر الله سبحانه وتعالى نوفل في بنتك شول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين في غابيل باسكو غابيل لي بروفيت بانكينا ايمان. الله سبحانه وتعالى في جد القران نقول ان فوا فاعتبروا يا اولي الابصار تياليسو او بانك انتيليجون. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, l'amour, c'est quelque chose qui font partie de nos quotidiens, sans exception. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout être vivant besoin goûte l'amour. Nous besoin goûte l'amour, mais seulement nous ne connaissons pas. Wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadan. Personne ne connaît qui peut arriver l'italia. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Et personne ne peut connaître quoi ça les poumons. Personne ne peut connaître dans quel état les poumons. Personne ne peut connaître dans quelle circonstance les poumons. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît le passé, le présent, le futur. Nous tous les amours, frères en islam, et nos poumons le solili, et nos poumons pendant qu'il peut travailler, et nos poumons pendant qu'il peut faire ibadat Allah. Et n'a pour moi, pendant qu'il peut faire une distraction halal, et n'a pour moi dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a pour moi avec iman, et n'a pour moi dans l'état de mécréance. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala, fin jannu wa la tamutunna illa wa antum muslimun, n'a pas mot excepté en tant que musulman. Il veut dire, fais tout, nous mieux, pratique bonne action qui, si l'amour fin min vienno, alors, dans ce moment-là, nous dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça qui vient de passer, ça qui vient encore peut passer, la terre encore peut trembler. Dans un pays musulman, un frère musulman, une soeur musulman, un enfant musulman, une partie infinie qui est dunya, à travers ce tremblement de terre. إذا أراد شيء إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله جاء arrivé tremblé la terre tremblé une partie du monde finit aller en bas la terre écoute Allah subhanahu wa ta'ala une partie du monde est encore vivant rescapé de ce tremblement de terre mais il finit blessé il finit en aban séquelles de sa vie handicap, les fin perdit certaines bannes, membres de sa famille, mais en Allah subhanahu wa ta'ala fin godli comme un signe pour nous. En Allah subhanahu wa ta'ala fin godli comme un signe pour nous, qui est un djimon pendant, normalement, médicalement parlant, bien djimon pas capable de sans manger, sans boire plus que 5 jours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, sanurihim ayatuna fil afaq, nous vous montrons que nous avons un signe à l'horizon. Allah subhanahu wa ta'ala donne un signe. Un petit bébé après 7 jours, un petit bébé moins qui est 6 mois, 7 mois, il est emballé de sa fraîcheur glaciale, 1 degré. En bas, béton qui finit comme l'eau lit. L'oxygène moins, les pénas de l'eau, les pénas de nourriture, mais après 7 jours, il est vivant gaillard. Alors donc, nous devons comprendre que la vie dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, nous la vie dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Lui décide quand nous pouvons mourir. Si Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire pour nous mourir, tel l'air. Iza ja'a ajaluhum, fala yasta'khiruna sa'atan, wala yasta'qdimun. Quand un djimoun soleil est arrivé, il n'est pas pour décale, plus avant ou bien il n'est pas pour délai, plus après, même une seconde. Il peut arriver dans ce moment. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala fin décider pour un djimoun qui continue vivre, dunya, un ensemble, pas pour capable de prendre sur la vie. La vie et la mort décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne la vie. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah subhanahu wa ta'ala, djimoun parce qu'il n'a aucun sens, parce qu'il existe. Allah fin fait djimoun existe. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-hayy, yuhyi wa yumit, lui donne la vie et lui donne la mort.
Si Allah pan mort, nous la mort, dans le moment qui, du monde peut envie nous la mort, ou bien dans le moment que les circonstances veulent qu'il nous mort dans sa liala, personne ne va pas prendre nous la vie. Wala wajtama'u, ala an yadurruka bi shay'in, lam yadurruka bi shay'in, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Si tout insan et djinn rassemblés pour faire toi un djito, vous êtes capable de rassembler comme les autres en vie, mais si Allah n'a pas écrit ça dit toi là pour joindre toi, alors donc personne n'est pas capable de toucher toi, c'est un djito. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. امر الله quand l'un décrit une petite chose loin un peuple, mais si ça tremblement de terre fin descend loin un peuple, Allah dit non, mais toi moi te sous ma protection. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه. Allah subhanahu wa ta'ala amin ban protecteur ange qui protège insan devant, alors, il est à côté partout, yahfadhunahu min amrillah. Alors, protège-lui contre quelque chose qui peut être décrété pour arriver. Ça, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous nous disait, c'est les sauts, frères en islam. Quand nous finissons gagner la chance pour vivre, nous nous disait, c'est les sauts, qui fait Allah peut continuer, laisse-moi vivre. Alors qu'il motivise un mot, mais encore vivant, bah, la question qui nous impose, nous, qui fait tremblement de terre, pas n'arrive, nous, qui fait calamité, pas encore touche, nous, qui fait mon sécurité aujourd'hui. Un enfant, lui, pose question, mais, sabane-là, je suis fini, vin orphelin. Mais moi, qui fait mon corps, il y a un parent, le molédo. Mon corps, il y a un papa, une maman. Sa madame-là, lui, fait une veuve. Madame-là, fait une veuve. Nous, ben, madame, vous avez posé question. Mais qui fait mon corps et un missier dans mon avis? Missier là, l'homme au lédo. Dans l'anglais, ce veut dire qui? L'île, peut prendre vos choses. Au l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un parent qui n'arrive à un âge avancé. Il va capable de manger normal pour lui-même. Beaucoup de choses, il n'est pas capable de faire. Mais, comment lui crier? Aïe, il trouve sur bons enfants, costé à lui. Mais qui fait, nous encore, à nos enfants, nous les deux. Mais ça va là, combien maman, combien papa, une pièce d'autres enfants? Combien frère, une pièce d'autres frères? Nous encore, on a un frère pour donner nos conseils. Nous encore, on a un frère, un grand frère pour rappeler nous à l'autre. Combien de monde, une pièce d'autres travail? Nous pouvons lamenter aujourd'hui à cause, moi, tu disais qu'il y a 100, on gagne 50. Lui, une pièce d'autres tout. Nous encore, on a la case. Nous encore une famille, nous frisiter encore une nourriture, nous encore trop sourire à l'obésage de notre famille. Mais là-bas, je ne paye tout cela. Est-ce que nous musulmans, afala akun wa abdan shakura, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Aïcha, son madame, radiyallahu anha, afala akun wa abdan shakura, est-ce que vous pas montrez moi, mais est-ce que vous pas venez un esclave reconnaissant vis-à-vis mon créateur? Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finir une parole pareille? Parce que Allah fait favel au lit. Allah subhanahu wa ta'ala fait favel au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la dunya et dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala fait favel une meilleure insan dans la terre. Meilleure créature d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour place-lui dans la place pliée spéciale le jour du Qiyama, al-maqam al-mahmoud, et aussi dans l'akhirat, il peut gagner place pliée spéciale dans Jannatul Firdaus qui appelle al-wasila. Mais en retour, pour tout sa faveur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors à juste titre, il dit avec son madame, afala akunu abdan shakura. Est-ce que mon pas montrez-moi, mon pas vine un esclave reconnaissant vis-à-vis mon créateur? Abi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous modèle, l'exemple à suivre. Nous, musulmans, pour faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous. Faveur les enfants. Faveur une famille. Une madame, sauf faveur une mission, une la case. Une mission, une madame, une enfant.
on a un travail, on a une famille, on a un parent, on a tranquillité sur la terre. Cinq fois par jour, si on veut faire salat, masjid ouvert. Pe na personne peut penser qu'il où. Pe na personne peut venir arrasou depuis aux familles. Pour le torturer où. C'est quand même dans le pays arabe, il y a ça. Dans le pays arabe, comment bon Dieu fait namaz? Ou dans le nous le droit chemin. Mais si on fait tirant la pharaon là en colère, il rassou depuis là où il y a avec vous, madame, ou disparaît jusqu'à la fin, pas trop vous. Mais où dans un pays à 18% musulmans, est-ce qu'il peut venir rassou là où il y a avec vous, madame? Est-ce que vous pouvez venir reconnaissant vis-à-vis celui qui peut garantir la sécurité de la terre? Est-ce que vous pouvez venir reconnaissant vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, frère en islam, si vous demandez un jeune, décrivez-moi un cyclone qui était ça. Est-ce que cyclone il passe le Maurice? Quand il y a un cyclone, il passe le Maurice. Vrai cyclone, surtout pendant la nuit. Mon jeune pas connaît. Pourtant, dans un pays, quand nous supposons qu'il y a un cyclone, tous les années, deux, trois cyclones. Mais il y a un cyclone. La sécheresse nous dit pour au sang de l'eau. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur ou non? Il remplit nos bonnes réservoirs. Est-ce qu'Allah a une garantie de l'eau encore au point de l'année? Allah a une garantie de l'eau au point de l'année. Nourriture en abondance. Bien sûr, nous l'eau, la terre, perfection, puis il y a des notes qui, tout qui ne sont pas faites. Mais nous, musulmans, est-ce que nous pouvons montrer nous reconnaissant comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous modèle? Est-ce que nous disons, est-ce que nous ne pas montrer moi reconnaissant vis-à-vis mon créateur? Si on compte faveur à Allah, on n'est pas capable de compter quantité faveur peut faire l'eau. Dans le sommeil, on est capable, on peut dire, merci Allah, on lève nos mal, on est capable de tout faire mort. Combien de gens ont tout fait dans ce sommeil, ils mort? On est vivant? Combien de gens ont fait accident, ils mort là? Ou encore vivant? Combien de gens ont gagné une hard attack, ils mort? Ou pas encore gagné une hard attack? Ou en sécurité? Si vous comptez faveur à Allah, vous n'êtes pas fini de compter. Qui quantité Allah compte en nous? Qui quantité Allah généré vis-à-vis nous? Nous pas mérite sa générosité là. La yu'akhidullahu nasa bi dhulmihim. Si Allah t'y prend compte pour chaque injustice qu'il nous fait, moi ou? Si Allah t'y prend nous compte pour chaque injustice, chaque désobéissance, chaque erreur qui nous fait vis-à-vis lui, ma taraka alayha min dabba, Allah pâti pour laisser nous vivre une seconde en plus. Mais est-ce qu'Allah, il sanctionne nous? Est-ce qu'Allah, il punit nous? Allah peut laisser nous vivre. Qui fait Allah peut laisser nous vivre? Qui fait Allah peut laisser nous vivre, frère en islam? Allah peut laisser nous vivre, tout d'abord, parce qu'il y a un jour, qui appelle le jour du jugement. Quand ils vivent, jusqu'à le jour du jugement, ولكن يؤخرهم الى يوم تشخص فيه الابصار sazoula figia pour défigurer sazoula sazoula Allah ce jugement li pour sévère mais aussi frère en islam Allah peut continuer laisse nous vivre malgré nos manquements parce que Allah citant son rahmat son miséricorde surpasse ce colère وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم Allah subhanahu wa ta'ala il peut répondre à sa logique qui fait Allah pas punir nous. Pourtant, nous fait désobéissance. Pourtant, nous fait pécher. Pourtant, beaucoup de gens ne peuvent pas faire salat. Pourtant, nous peut faire dito, nous frères musulmans. Nous, vanciers musulmans. Nous peut la guerre entre nous-mêmes. Nous peut prendre l'honneur à nos frères, à nos sœurs. Nous peut priver ce travail. Nous mettre bas de sur la roue. Nous retrace ce bousser manger. Nous casse ce ménage. Nous fait un problème pour lui dans l'école, pour ses enfants qui ont une difficulté. Toutes sortes de qualités manigances. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on le futur. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, non pas pour pini Quraysh. Pas encore l'air pour pini Zod. Qui fait ça? وَأَنْتَ فِيهِمْ Parce qu'il est là. Parce que Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, t'y parmi Quraysh. Allah, pas pour descendre sa punition, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ila, qui les sont attirés là-dedans. C'est que présence, certaines créatures qui Allah content,
les Juifs, comment dire, un umbrella, un baguette, un parasol, qui protège donc contre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, si tu es proche avec Allah, sa présence là, sa présence, barakat, sa présence peut protéger ou d'années. Où qui peut désobéir à Allah? Où qui peut faire salat? Où qui peut coquin? Où qui peut zougader? Où qui peut vendre la drogue? Ou d'années où? Mais seulement qui fait au bagage punition parce qu'il y a un bon créature, Allah, qui a la compte en lui. Parfois, il y a des gens de notre présence, ils viennent boyer contre punition d'Allah. Parce qu'est-ce qui nous mérite punition d'Allah? Si dans une place pareille, dans la ligne, il y a une calamité, mais qui fait nous pas une calamité? Pas quoi ou est spécial, hein? Attention à le croire, attention, bat dans la tête, là, pas qu'on est qui ont mangé, ou boire, qui ont fumé, pas qu'on est. Attention, bat dans la tête, hein? Ou à le croire spécial devant là, hein? Non, pas spécial, ou, hein? Personne fait spécial, moi, avec ou pas spécial, nous. Mais seulement, il y a une raison. Une de bonnes raisons, comme on nous dit, présence, c'est une bonne dimonée spéciale. Imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, il dit, inna Allah, la yarfa'u al-bala' an hadhi l'umma. Allah n'est pas descendu sur calamité de sa ummat, bi rihlati ashab al-hadith. Imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, dans les années 100 hijri, 1200 années de cela, il peut dire une parole. À la lumière, hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à la lumière de sa verset Coran, qui dit, Allah pas peut descendre sur calamité, l'eau, sa oumad, pas zéfo, ban, gens de hadith. Zéfo, ban, djimoun, qui peut préserver parole, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, barakat, sa ban, djimoun, peut protéger sa oumad contre punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui aussi, pareil, il y en a beaucoup de djimoun, dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être, sa ban, djimoun, là, elle peut agir comme une défense pour la permission d'Allah, qui aujourd'hui, frère en islam, nous pas encore gain calamité qui nous méritait, l'eau. Calamité là pas encore venu. Mais ça, on va me où? Calamité là pas loin, parce que ça va ben, dimon, chaque jour peut venir plus rare, de plus en plus rare. Parce que dimon pas éternel, l'eau la terre. Dimon bise un mot. Bon dimon pour moi, mauvais dimon pour moi. Ben qui est proche avec Allah pour moi. Mais ça va ben, dimon là, doucement, je peux venir plus rare. Jour en jour, je peux venir plus rare. Jusqu'à qu'ils disparaissent. Mais il n'a aucune raison pour Allah pas descendre sur punition. Ça, c'est une de bonnes possibilités qui aujourd'hui, frère en islam, le monde en bas là-haut, Maurice, nous tranquille. Oui, Maurice, c'est un paradis. Oui, Maurice, c'est un paradis. Quand on trouve Maurice, c'est un paradis, quand on compare sa pays-là avec les autres pays. Quatre côtés du monde, phénomène naturel, calamité, punition, test, c'est moi, nous à l'aise. L'olati Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله بابوبيني زد سي ان الاسبوار كي زد pour repentir كي في الله بابيني ان peuple encore une deuxième raison parce qu'Allah lui connaît le passé Allah lui connaît le présent Allah lui connaît le futur. Peut-être qu'il finit trop dans sa peuple, dans sa communauté. Il y a beaucoup de gens qui se pour repentir. Il y a beaucoup de gens repentir. Allah pas pinili parce qu'Allah, ma yafalullah bi adabikum. Qui Allah gagne? Allah pas gagne en yéli d'opinion nous. Allah pas envie pinili nous. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah lui envie pardonne nous. S'il finit trop dans sa communauté, possibilité repentance du monde pour repentir, Allah bloque sa punition, il pas laisse sa punition là descendre, parce que dans ce ban esclave, ban là pour repentir. Il dit non, laisse-le. Attends, qui ban là repentir. Attends, ban là pour repentir, mais pas pour descendre, pour punition aux autres. Mais seulement, frère en islam, n'a pas prendre tous à faire leurs en comptant. N'a pas prendre faveur Allah comme leurs en comptant. N'a pas croire qu'il s'éteigne. Contrat, on signe avec Allah, Allah doit où sa sécurité? Non. Allah pas doit où sécurité? Allah pas doit où tout sa faveur, lui? C'est pas sa bonté de ce pas. Mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran, la in shakartum, la azidannakum. Si nous remercions Allah, Allah pour augmenter sa faveur, ou nous, ou la in kafartum,
Mais si nous montrons ingrats, nous pas reconnaissants vis-à-vis Allah, nous pas retournons vers Allah, nous pas repentir, nous pas prendre, nous pas faire des efforts pour nous changer, nous pas mettre changement dans nous la vie pour le meilleur, nous pas encore décider pour retourner vers Allah, vers l'obéissance. Mais quand nous pouvons changer, frère? Quand nous pouvons changer? Quand nous pouvons faire, bonne sœur? Quand nous pouvons faire comme ça, madame, Allah fait raham l'oli protège li dans dunya jusqu'à ce dernier roux et mettre li dans jannatul firdaus, une madame en bas béton. Une madame en bas béton, après combien de jours? Après 3 jours, li en bas sa béton dans sa fressée et peut faire un degré là-bas. Là, c'est là pour faire un degré là. Dans ce moment-là, peut venir secourir li. Il pas de manger, il pas de boire. Il pas de trouver sa famille. Il est inconfortable quand il était. Parce qu'on est capable, si on a 7 plis encore les mots. Donne-nous la main, Kala. Sortis-nous aller. Non, moi pas pour sortir. Fais-moi pour sortir. Moi pas pour sortir. Kala est une folle? Non, Kala pas une folie. Il comprend qu'il chose qui nous bannissait pas qu'on comprend aujourd'hui. Kala dit, non, pas pour sortir. Qui fait Kala? La tête, il bouge. Béton tombe là ou la tête là, ou blessé, non? Non, Kala, normal. Nous ne sommes pas les sortis. Donne-moi mon hijab avant. Pas histoire, ça, hein? Pas histoire, ça, là. Filmé. Pas raconter ça. Live. Donne-moi mon hijab, mon couvert, mon la tête. Là, mon sorti. Là, mon sorti. Il comprend l'obéissance à Allah. Il comprend que s'il ne sapait, c'est pas sur l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, frères en islam, nous prenons tous à faire leurs comptes. Nous encore décider ce qui nous pourra de Allah. Nous encore calculer ce qui nous pourra de Rosa Ramadan. Nous encore calculer ce qui nous pourra dépenser nous l'argent dans le chemin d'Allah. Nous encore croire qu'il nous pourra vivre éternellement le salaté, frères et sœurs en islam. Tiens les sons. À conseil, n'a savansi. Fa'atabiru ya ouli l'absor. Tiens les sons, ban qui est intelligent. Avant qu'il trop tard. Avant qu'il trop tard. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son patience peine à limite, son patience peine à limite. Mais seulement si Allah envie, lui mettre un full stop avec son patience, Allah n'a capacité de tout quelque chose. Patience que Allah subhanahu wa ta'ala vient prendre avec Pharaon, il envoie l'inefsi. Allah subhanahu wa ta'ala vient, qui a des patience, il prend avec sa plus grand criminel, qui l'a tiré fin connu, Pharaon. Dans l'époque de Moussa, alayhi salam. Mais Allah dit à nous, prends patience, Ali. Cause Ali bien. Assieds bien, Ali. Rappelle-lui à l'autre. Moi, voici. Arsaf arsalna alayhim al-tufana wal-jarad wal-kummal wal-dhafadi ayat mufassalat. 4 signes dans sa vie, c'est là. Ensuite, la main blanche, Moussa, alayhi salam, sur la main éliminée. Allah subhanahu wa ta'ala fin montre li, nefsi en de yalot. Mais seulement, quand si Allah vini, frère en islam, quand Allah peut montrer où ce ban signe, ou pas, ou faire sensé, ou pas peut comprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met un frein avec signe là, il met un frein avec son patience. Falamma asafuna, intaqamna minhu. Quand jeune, chaque, littéralement, quand Pharaon et son peuple fin chagrin nous, nous faisons sanctionner pour sa attitude. Attitude veut dire, fou pas mal. Moi pas casser la tête. Moi pas trouver. Moi pas tirer les sons. Moi pas aucun remords. L'amour pas faire moi penser à l'ab. Tremblement de terre pas faire moi grimper. Puis qui fait, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ils dans son léthargie. Ils dans son l'insouciance. Ils tournent les doigts avec Allah. Au lieu de vivre une salade, ils galopent des dunya. Alors donc, Saban Jimoun, voilà conséquence de Pharaon, Allah sanctionne pour l'indifférence vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Donc, frère en islam, le choix est à nous. Nous devons faire le bon choix. Nous devons faire le bon choix. Pas continuer à assise comme ça même. Changer avant trop tard. Changer avant qu'il arrive nous tout. Changer avant arrive nous tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui font mot shahid, inshallah. Beaucoup, ça qui fait une finie, qui dunia est allé à travers sa tremblement de terre, la plupart, inshallah, shahid. Parce que je tiens à iman.
Parce que possibilité de faire haram, il décontaine. Soit aussi de l'ibadat Allah, soit aussi de travail, soit aussi de haram. Ça veut dire possibilité qu'il n'applique pas, participer dans la désobéissance, Inch'Allah, dans notre shahid, contre Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah donne notre meilleure place dans l'akhirat pour sa difficulté qui ne passe aux autres. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بكونسينو فيا يغابلنو بس يغابل لي بروفيت بن كنايمان اغتنم خمسة خمسة قبل خمس بروفيت دو سانك كيتسوز avant سانك لزوت كيتسوز سانك فافي الله Cinq grands cadeaux qu'Allah donne toi, frère. Numéro un, hayatik qabla mawtik. Toi, la vie, c'est un cadeau d'Allah, ça. Lam yakun shay'an madhkura. Huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. C'est Allah qui le fait où? Sorti depuis ventre ou maman? La ta'lamuna shay'an. Ou pas, il n'a aucune connaissance. Faja'ala lakum sam'a. Il donne nous l'ouïe. Wa l'absar, la vue. Wa l'af'ida. L'intelligence, la conscience, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la vie. Pour qui faire? La vie pour justifier l'obéissance à Allah. Favir qu'Allah fait faire le haut. Irtanim. Khams, qabla khams. Hayatuka qabla mautik. Tout la vie avant tout la mort. Parce que si nous pas saisir nos sens dans sa la vie, quand nous pas aller dans Jannat, nous pas aller dans Jannat, nous pas dans l'enfer. Deuxième, shababika qabla haramik. La jeunesse, l'âge de l'adolescence. Beaucoup banjimoun, beaucoup banzen, pas encore comprend. Papi a dit aux jeunesses, frère, ton plus grand imbécile, si tu n'as pas encore comprend sa parole. Parce que le prix qu'Allah fait de mettre pour un jeune, sab'atun yudhilluhumullahu liyawma la dhilla illa dhillu arshi. Cette catégorie jimoun, qui Allah pour mettre lui en bas, l'ombrage de ce trône, le jour du Qiyama, quand le soleil pour l'eau la tête. Lili pour en bas, l'ombrage, Allah ce trône, un enfant, shabun nasha'a fi ta'atillah. Un jeune adolescent qui vient grandir dans l'obéissance à Allah. Nous, ben, jeunes, zis, influencé par malpropre, par ben prostitué, pas ban adepte adultère, pas soulard, pas gambler, pas drogué, pas kuffar, munafiqin. Ça, c'est son rôle modèle. Ça, c'est son modèle. Alors, qui donne un modèle et un meilleur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Sahab al-Kiram, radiyallahu anhum ajma'in. Nous quittons tout cela. Atastabdiloun alladhi huwa adana, billadhi huwa khayr. Ou quitte ça qui est supérieur ou à l'autre bin, à l'autre desbin, en zénès, pas fait ça irréa. Guette bien, au modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de temps l'âge de l'adolescence? Quelques années, ça. Résister, tentation, faire cinq fois salat, obéir à Allah. Garde respect pour vos parents. Gain bénédiction du monde. Inch'Allah, où vous gagnez sa prix. Le jour du Qiyama. Rinaka qabla faqrik. Troisième faveur, frère en islam, c'est aux richesses. Aux richesses. Richesses, il y en a beaucoup qui te sauvent qui en a richesse. Richesse, pas forcément l'argent. Aux riches, dans beaucoup qui te sauvent. Mais surtout l'argent. Ou il y en a l'argent de oulamé. Pas nécessaire millions. 1000 roupies. Ou kabav, c'est djannat avec 1000 roupies. Ou kabav, inna Allah ashtara min al-mu'minina. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Avec ou la vie, avec ou l'argent, en échange ou gai jannat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Un bargain, une transaction qui vous fait avec ou créateur qui protège ou contre l'enfer. Ici, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Avec ou l'argent. Service à l'argent, 5000 roupies pour gagner Allah ce contentement. إن الصدقة تطفئ غضب الرب. هي صدقة. صدقة كلمة الله سكوليا.
Sadaqa, il y a une protection pour l'insan. Vous tirez sadaqa, frère. Et surtout en passant, oui, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs dans la Turquie, dans la Syrie et ailleurs, vous êtes dans la peine. Mais c'est un pas faire l'imbécilité. Nous avons du monde dans la peine aussi dans Maurice. Fais attention, on va le faire, un autre problème. On prend tout, on va se bousser manger de Yatim qui est là dans Maurice. On va se bousser manger de sa veuve sur la bousse. On va se médicaments, ça dit bonne misère. Ou balier carreau à vos idéaux, finalement, on quitte tout ici à la peine. Les là, quand ils vont sur les côtes, on blâme lui, le Facebook. Les là, quand il y a le coquin, je dis, ce poignet est à, pas déraper, hein. Là, il m'a moussé pour déraper, autour là. On fait nonsense. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Ou balier carreau, quitte sa banane après, ou là, il reste de halal, quand il reste de halal. Parce qu'il y en a qu'à comme ça, on peut dire, on peut trouver pas pire colère. Et il y a dix mounes, on ne peut pas spécifier, travail chétan, c'est travail chétan. Mais c'est ma demain, comment Allah peut faire ça, ces moments-là, ça m'a pas connu, moi, on parle là-dedans, moi. Nous prenons sa responsabilité, là, moi. Quand il peut vendre sur l'écho, pour une boîte dîner pour donner ses enfants boire. Qui fait-il bien vendre sur l'écho, hein? Pour une boîte dîner pour lui donner ses enfants boire. Parce qu'il peut la case. Soit une balle de carreau, une fête à massa, leurs ans. Soit qu'il finit tout, aujourd'hui, dans Maurice, pena dimon, là, ça veut dire pena dimon misère dans Maurice. Pena yatim dans Maurice. Pena dimon qui pena manger dans Maurice. Ou pas connaît. Quand on pas connaît, pas veut dire pena. Ou qui pas connaît. Parce qu'on pas, ou pas le rodé, ou pas virgulisé, ou bêté, ou pas connaît, ou. Ou bien dimon peut faire ou croire qui pena dans Maurice. Nous, mena. Un juste milieu. Nous pas oublier nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, mais meilleurs soeurs, d'accord, ça qui plus proche. Servi ou l'argent pour gagner paradis. Servi ou l'argent avant ou vie de misère. Avant qu'il l'argent a disparu de l'argent, il est volatile, ça n'est pas resté, ça, frère. Il n'est pas resté, soit vraiment, littéralement, il disparaît, soit il n'a aucune valeur. Ou demain, aucun qui a été maladie ou l'argent. Ça va une petite chose qui nous vive, ça, ou pas connaît où. Moi, je connais Jimon, il va dans son magasin. Il prend son million, il va dans son business, tout, pour le soin, il est là aussi, il n'est pas un gars, mort. On peut penser que l'argent qu'on vient terrible là-haut. On a 5 minutes, ça veut dire qu'on vient comme, ou vient 11. On peut penser qu'on a délaissé là-haut. Dans fraction seconde, on disparaît. Ça, c'est l'exemple qui nous faisait garder. Allah fait raham, donne sa dîme, jannat. Pas un million, il dépensé pour sauver sur la vie, mais c'est moi, sur moi, il manquait. Mais demain, c'est l'argent qui, dans la main, disparaît. Ça, de plusieurs façons, halal, haram, d'une bonne façon, on va faire disparaître. Ensuite, frère en islam, Firarika qabla shughlik. Ou, les temps libres, avant qu'il y ait Allah au kipou. Ou les temps libres. Servi-li pour une bonne cause. Servi-li pour gagner akhirat. Faire ibadat en plus. Lien de base Quran en plus. Faire un peu d'ikrullah, tasbih. Envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Profite de frère. Al-Umra. Profitez avec ça les temps libres. Avant qu'il y ait Allah au kipou les temps. Donc, beaucoup de façons, Allah occupe nous les temps, nous payons les temps, nous oublions nous-mêmes. Si tant, Allah ne reste nous les temps libres. Alors, tout ça, là, c'est ban. Petite chose qui nous besoin. Faire beaucoup attention, frère, en islam. Et aussi, ou la santé avant qu'il y ait malade. Alors, donc, tout ça, ban. Favez Allah, subhanahu wa ta'ala. Pense-le, là, frère, en islam. Prends une bonne décision. Surtout, je veux dire, la coupe peut venir. Saison. Jannat peut venir. Saison pour gagner Jannat en abondance peut venir. Qu'appelle Ramadan. Prépare où? Organiser. Demande Allah, doit qui donne nous la santé. Il donne nous la santé. Il donne nous les temps libres. Il donne nous courage, la force. Il donne nous iman. Il donne nous sincérité. Il donne nous sécurité. Il donne nous la richesse pour qu'il nous mette tout ça là dans nos dispositions pour faire les plaisirs. Inch'Allah. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.